Dieu va régler vos problèmes de finances. Régler vos problèmes d'affaires. Vous serez puissamment béni. Vos boulets de nuit bizarres, Dieu va régler ça tout à l'heure. Amen. Oui, celui qui te devait va te donner ton argent. Amen. Vos affaires vont reprendre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, pour que les gens nous respectent. Et que Dieu vous donne des moyens financiers. Qu'il vous donne des moyens qu'on vous respecte. Amen. Quand vous allez commencer à avoir des moyens, les gens vont vous respecter. Amen. Oui. Tu es sorcière? Oui. Ah. Je n'ai pas été attrapé ici. Là. Qui t'a donné? C'est une femme. Elle n'a pas de nom. Elle avait marité. Hein? Elle avait marité. Comment elle t'a donné? Par la nourriture. Faut expliquer. J'étais au village. Vous pensez que mon détecteur là s'en panne? Ça marche, hein? Le détecteur marche. J'ai attrapé une femme à Zaroku. Eh non, aujourd'hui là, ton détecteur en panne. J'ai dit avant. Le détecteur dit non. Oh, Abidjan, elle a dit les sorcières. Arrive au village où elle doit délivrer les gens. Elle dit non. Non, aujourd'hui, il dit, ton détecteur est en panne. Il dit, ah, on dit ton truc là en panne, hein. Quand la femme l'a quitté ma face, elle est folle. Demandez ceux qui sont des Arocos, ils vont vous expliquer. Elle est folle. Maintenant, elle tourne dans le village, un jour, deux jours, elle ne dort pas, elle parle seulement. Maintenant, il a dit, ah, le prophète, est-ce que tu as fait la femme? Il dit, c'est moi qui ai fait. Pourquoi vous même gâtez le nom des gens? C'est là qu'elle va revenir. J'ai dit, ah bon, tu es sorcier? Oui. Maintenant, il t'a attrapé? Oui. Parle. Elle ne parle pas. Qu'elle a oublié? Elle a plongé, elle s'est évanouie. Comment? On l'a envoyé à Abidjan. Je suis allé, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Tu l'as touché. Elle s'est réveillée. Elle est au village. Oh, elle avait enterré tous ces gens dans des nidières. Elle est touchée. Arrivée au village, elle veut aller cacher tes nidières là. Dieu l'a frappée la nuit. Moi, je suis allé prier pour elle. On va aller dans tes nidières là. Toute ta famille là, tu vas les enlever dedans. Maintenant, on s'est réveillé. On dit, allons-y, on a marché. Moi, j'ai fait des choses, hein. C'est maintenant, hein. On a vécu des choses. Marcher des kilomètres. La dame est là. Eh, venez. J'ai dit, c'est quoi? Elle est fatiguée. Oh, il y avait une bouteille d'eau organe glacée. Elle aimait boire. Elle a soif. Elle a vidé ma bouteille. Elle est assise. Elle rote. On va partir. Elle dit non. Elle ne voit plus où elle a mis. J'ai mis mon GPS, ça marche. Vite. J'ai dit, il y a un GPS, allons. J'ai dit, allons, mets-toi là. Bah, j'ai scanné un coin. Il dit, c'est dans le coin là-bas. C'était dans un bas-fond. J'ai dit, juste après le fromager, vous allez trouver une termitière. Les gens nettoyaient dans le bas-fond. J'ai pris mes bras, ils sont descendus. J'arrive vers le fromager, ils ne voyaient rien. J'ai dit, le Saint-Esprit ne m'a jamais menti. Moi, je prends les portes, je descends. Et pendant que c'était caché, j'ai dit, soulevez. Voici, ils ont soulevé un termitière. La vidéo est là. Elle est là. C'est ça. On a creusé, on a levé bracelet. On a une seringue. Elle est morte, la dame. Les gens savent ça, ici. Elle dit, maintenant, là, si tu veux, il faut mourir. Quand elle voit manger, c'est le feu. Elle voit l'eau, ça assis. Elle est morte. Je ne joue pas à Dieu. Le mois de septembre, là, vous voyez, là, ne jouez pas un mois. Hein. Tu es sorcière? Oui. Quand tu es venu, tu t'as dit à qui? J'ai dit ça à mes parents. Mais pourquoi tu n'as pas dit à pasteur? C'est pour cela qu'on est venu ici. Ah, c'est pour ça qu'on est venu? Oui. Mais quand il dit que tu es sorcier, tu dis... Donc il t'a attrapé. Oui. Hein? Non, mais je sais depuis longtemps. Bon, toi tu sais. Moi, il t'a attrapé. Donc tu vas parler. Oui. Tu as tué quoi? Qui? J'ai tué des gens. Tiens. Odi.
On a tué plusieurs personnes. Nombre de combien? Ils sont beaucoup. Beaucoup, ça peut dépasser 200. Donc tu connais le nombre alors. On dit. À 103. À 103 personnes. Comment vous tuez les gens? Ils ont une mémoire, écoutez. Les sorciers là. Quand vous. Non, écoutez, je vais vous montrer le mécanisme, comment ça fonctionne. La sorcellerie, c'est quoi? Quand tu inities la sorcellerie, on te dit, va donc envoyer quelqu'un de chair. Et quand tu envoies la personne, tu dis, bon, ok, dans la confrérie, maintenant tu peux parler. Vas-y, tu envoies quelqu'un. Tant que tu n'envoies pas des gens, tu ne parles pas. Tant que quelqu'un dit, non, je suis sorcier, il est mort. Donc on envoie Zadi, le nom de Zadi, elle a dans la mémoire, elle sait le nom, exactement le nom des gens qu'elle a tués. Hein, oui. 103. Personne t'a tué. Oui. Comment tu fais? Je tue avec une épée. Épée. Tu t'arranges comment? Tu attends que la personne s'endort. Et tu prends l'épée et puis tu piques la personne. Montre-moi comment tu piques. Comment tu fais? Tu lances ta main. Montre-moi. Croise tes bras. Comment tu tues l'homme? Eh. Supposons que tu as un bébé, comment tu fais? Tu piques. Tu piques comment? La personne est couchée. Tu piques n'importe où tu veux. Si tu veux, tu piques par son cœur, bien à son corps. Et puis tu tues la personne. Oui. Et après tu manges. Oui. Hein? Oui. Quand tu manges, je ne sais pas quelle partie de. Tu manges quelle partie? Moi je prends le pied. Tu es malade, oui. Merci. Moi tu manges, tu tues viande. C'est parti où il n'y a pas chair, là, tu prends les os. Non. Tu manges où? La cuisse, ça fait. Ah, ça on appelle gigot. Et c'est d'où? C'est d'où? Hé! Hey! C'est d'où? C'est pas d'où tu manges. Tu as honte maintenant, c'est pas d'où tu manges. Je parle d'où tu as tué quand 103. Qui prépare là-bas? La femme qui prépare. Et toi, tu joues quel rôle? Et elle? Je suis la reine. Ah. Comment tu es devenue reine? C'est la femme qui m'a donné. Hein? C'est la femme qui m'a donné. Comment tu es devenue reine? Je ne sais pas que comment m'a donné. Tu es devenue reine comment? Parce que tu es reine, non? C'est que tu as fait des choses, on a dit aujourd'hui tu es reine. Comment? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? C'est là où la trouille, il y a une go, hein? C'est quoi te montrer la nuit? Non, il y a une go. La go, il y a eu aujourd'hui là. C'est là. Mangez tout ton cerveau. Mange. Oui? C'est ça, elle m'a donné une habit blanche pour porter. Un habit blanc, c'est une habit. Un habit. Ils t'ont porté ça? Oui. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils vont porter, que c'est pour moi. Et puis, qu'est-ce que tu as fait, reine? Est-ce que tu as fait quelque chose avant de donner reine? On ne donne pas le trône qu'on soit, ils sont vraiment malades. Tu as fait quoi? On t'a donné, on dit, tiens, chaise là. On dit que ma gamme est grande. Hein? On dit que je suis plus élevé que les gens. Mais tu as fait quoi pour être plus élevé? Pour mériter ce grade. Pour mériter grade. On se lève pas matin pour dire ma grade. C'est ce qu'ils ont vu. Puis on dit, bon, ok, tiens. Toi-même, là, tiens ça. Il n'y a pas de vieille personne là-bas. Si. Hein, mais pourquoi c'est toi, jeune, on donne le trône? Je ne suis pas malade. Ça dépend de ce que tu as fait. Il faut dire rapidement. C'est une alliance. Quelle alliance? Tu as pris la chance de la famille pour aller donner là-bas. C'est ça? Hein? Oui. Mais parle ou bien? On te force? Non. Tu as pris la chance de la famille et tu as l'air de donner aux gens. Oui. C'est comme ça qu'ils t'ont donné chaise. Tu as fait quoi encore? Puis j'ai mis tout l'argent de ma grande soeur dans tout. Comment? À côté de son magasin. Hein? À côté de son magasin. Comment tu as fait?
la nuit, quand tout le monde dormait, puis on allait creuser le tombeau et puis on a mis ça dedans. Vous l'avez creusé pour mettre? Oui. C'est pourquoi? C'est pour bloquer. Son argent? Oui. Et tu as fait quoi encore? Tu as gâté qui? Pas gâté. Les gens de ta famille que tu as gâté là, dis-moi leur nom. Parce que tu as touché tout. Puis tu allais donner la chance. Qui tu as gâté? Qui? Nous, ça nous intéresse de les délivrer. Ouais. Nous, ça nous intéresse. Les victimes là, ça nous intéresse. Ma tante qui était, ma grande soeur qui était chez elle. Comment elle s'appelle? Autant. Elle est où? Toi. Tu as pris son argent? Elle a pris ton argent. T'as gâté la là où? À côté de son magasin. C'est où ça? C'est à Yopougon. Maintenant, tu gagnais quoi en l'appelant son argent pour cacher? Il y a banque. Si. Et je vais essayer. Tu gagnes quoi en mettant son argent dans, sous la terre? C'est ce qu'ils m'ont demandé. Et tu n'as pas dit non? Toi, tu étais d'accord avec ça? Je ne savais pas. Ouais, arrête tes conneries. Tu ne savais pas comment? Hey, tu veux être délivré ou bien pas? Si, je veux être délivré. Bon, à part elle, tu as gâté qui va t'asseoir? Parce qu'il était chez eux, c'est pour ça qu'il n'est pas gâté autre personne. Donc, tout ce que tu as tué là, tu vivais chez eux? Faut pas jouer à moi. Va t'asseoir, allez. Va t'asseoir. J'ai rêvé que je voulais manger une viande. Et je me suis réveillée. Maintenant, des fois, la voix vient dans ma tête de tuer ma maman. Va t'asseoir, t'es sorcier? Vas-y, maman, elle fait pour qu'on tue maman. Quand ta voix peut venir dans la tête, il faut tuer maman. Et dis, mon détecteur, là, ça t'a pris. C'est pas un pan, hein? Viens parler. Tu n'as pas parlé encore? Est-ce qu'il a parlé? Il dit quoi? C'est fini. C'est pour juste un temps. Juste peut-être 30 minutes, et puis c'est fini. Parle plus. C'est le lieu le plus sûr où on peut délivrer la sorcellerie. Non, délivrer la sorcellerie. T'as fait quoi? Tu es des gens. Mais puis là, dans le bureau, tu dis, non, t'es pas sorcier, dis toi. Dis donc, tu m'as mort. Vas-y. Qui t'a donné? Mon grand-père paternel. Attendez-vous à cette question toujours. Hein. Qui t'a donné? Ah, non, c'est comme ça. Vous t'as donné ça où? Tu envoies ça dans la famille. Tu es quitté où? Explique. Il m'a donné parce que ils sont pas là avec. Non, laisse s'appeler parce que. C'est lui qui t'a donné. Oui. Donc tu es devenu sorcier. Oui. Moi, c'est la raison qui m'intéresse pas. Faut pas vous avez rendu ça joli, la sorcellerie. C'est déjà vilain. La raison m'intéresse pas. Vous avez gâté, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ils t'ont donné. Tu as tué. Oui. Combien? 6. Faut donner le nom des gens. J'ai tué une petite fille. Non. J'entends jouer à moi. Elle s'appelle Grace. On dit non, tu dis petit. Et j'ai cité la mienne. Ah, mais tu commences par petit. Il y a une fille. Il n'y a pas grand dedans. Si. Ah, commence par les grands, t'as fini par les petits. Il y a... Les sorciers, c'est les délinquants. C'est des voyous. Il y a Yannick. Un micro quand on te force pas. Tu peux prendre le micro, faire jouer comme tu veux. Il y a Yannick, Pierre, Jean-Paul. C'est qui ça? Grâce. Ils sont où? Ils sont des personnes ordinaires. Quel ordinaire? Dans la rue. Je les ai vus dans la rue. Tu veux délivrer? Oui. Tu veux délivrer? Oui. Tu as fait quoi la famille? Ils sont forcément. J'ai bloqué.
on m'a obligé à bloquer les affaires de ma mère. Mec, ça fait de m'obliger là. Tu as fait quoi? J'ai bloqué les affaires de ma maman. Elle est où? En Italie. Elle est italienne? Oui. Comment elle s'appelle? Patricia. Tu as bloqué ça comment? Ils avaient besoin de mon aide. Regarde. Ils avaient... Vas-y, c'est toi qui traînes. Hey. Ils avaient besoin de mon accord pour bloquer. Quoi? Laisse le micro. Laisse ses le micro. Affaires. Ses affaires. Mmh. Comment? Rien que avec ma parole. C'est quelle affaire que t'as bloqué? Pour ne pas qu'elle aille du travail. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai hésité et ils m'ont dit si j'hésite, ils vont me tuer, ils vont couper sur mon petit, tuer. Petit, laisse ça faire, j'ai hésité. Tu as déjà fait. Comment tu as fait? Une nuit, je dormais. Maintenant, on s'est regroupé. Et puis, ils m'ont dit, c'est l'heure. Donc, il me suis levé. Je suis allé dans nos quartiers. Il y a un terrain là-bas. Je me suis arrêté là-bas. C'est ça, mon esprit s'est élevé. Mon esprit était suspendu. Mais c'est là, maintenant, j'ai commencé à parler. Qu'elle va jamais avoir du travail. Et lui, elle est un sort. Et tu as amené ça où? On a fait des travaux là. Tu as bloqué ça où? Tu as caché ça où? Aux choses. Comment appeler ça? Bon, tu n'as pas envie de parler. Oh, si, si, j'ai envie de parler. Mais c'est quoi ça? Quelque chose, tu sais, si tu as fait, tu fais comme tu es toujours les étonné. Tu n'as rien fait alors? Si. Tu n'es pas sorcier? Si. Mais parle. J'ai caché ça dans un trou. Et bien où? Aux choses. Bon, dans nos quartiers, il y a un pont, on appelle ça pont Vagabond. C'est là-bas où caché sans de ta soeur, ta maman. Tu as gâté qui encore? J'ai essayé de gâter ma tante. Ouais. Tu as essayé de faire quoi? Qu'est-ce que tu as gâté? On m'a dit de la tuer, que même quand moi je n'ai pas encore rentré, quand eux font les condoris, c'est elle qui voit. Donc d'aller à combattre, c'est là échoué. Tu as fait quoi avant d'échouer? Ils m'ont dit pour être fort d'abord, de tuer les gens. Petit, t'as bien joué moi. Non. Tu as fait quoi c'est là? Tu rentres ici, tu rentres là-bas. Non. On ne te pose une question, réponds directement à la question. Tu rentres ici. Il est attaché. Où? Sur un arbre. Et tu vas la manger? Que si il a battu, là, il peut la manger. Non, tu vas la tuer. Oui. Ça peut exposer les gens avant. Lui, tu la tues? Oui. Mais pourquoi tu ne dis pas ça? C'est si ça tu dois commencer. Je ne vous ai pas dit qu'elle est dangereuse. Bon, on va poursuivre la délivrance. Tenez-vous debout. Pasteur Philippe, commence à prier. Vous serez tous délivrés au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Vous serez tous délivrés. Amen. Commence à prier.